ابو الثالث يلا 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 هاي C'est la première livraison de poissons de la bande de Gaza vers la Cisjordanie depuis 2006. Elle se compose de 600 kilos de différentes sortes de poissons. Les quantités de poissons ne sont pas suffisantes parce que nous ne pouvons opérer que dans une bande de 6000 nautiques seulement. Par conséquent, nous ne pouvons pas pêcher de grandes quantités. Et ce n'est pas assez pour la bande de Gaza. Je préfère que le poisson de Gaza reste à Gaza, parce que les pêcheurs ne sont pas autorisés à s'éloigner des côtes, de sorte que nous ne disposons pas d'un surplus de poissons. Et lorsque vous exportez le poisson en Cisjordanie, les prix augmentent ici, et les gens ne sont plus en mesure de les acheter. Par exemple, aujourd'hui, un kilo de sardines coûte environ 15 shekels. C'est un prix considéré comme élevé. Les habitants de Gaza ne sont pas en mesure d'en acheter.